Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Thierry, we are pleased to welcome you, and as we say here in Tanzania, karibu sana. So Pierre Hitchens's work is dedicated to the resistance of women in the modern world. Between 1998 and 2012, he traveled to 30 countries to photograph women who, in their own way, are helping reshape modern history. Whatever method of resistance their engagement with their world may take, these women have been documented through Jeannette's photos as working towards a single goal, a better future for generations to come. All women are women in resistance. All women in the world. I think this has been the really and amazing opportunity to bring different stakeholders together to discuss about some of the main successes, but also the challenges that the women's movement is facing in terms of promoting gender equality. This exhibition can go around in many places in Tanzania, in other countries of East Africa. This exhibition is doing a very powerful job, especially standing up for women is a powerful thing actually in the world of today. C'est touchant, ça ouvre des portes, ça fait penser à des choses auxquelles on n'a pas vraiment l'habitude de penser. There were a lot of people, men and women from Tanzania. La résistance commence à la maison. La résistance est liée à l'être femme, à être une femme. C'est soit la résistance, soit on y passe. Donc j'ai découvert des destins tragiques, des destins aussi fabuleux, et des images fortes, des histoires fortes, qui m'ont poussé en fait, qui m'ont donné l'envie d'aller plus loin et d'en savoir plus. Donc en fait, c'est comme ça en fait, que j'ai rencontré Pierre-Yves. Donc l'idée à la base, en fait, c'était de faire venir l'exposition en Tanzanie. Et on s'est dit, de toute façon, quitte à faire, au bout d'un moment, quitte à faire venir l'exposition en Tanzanie, pourquoi ne pas la proposer en fait aux collègues de la région en fait Afrique de l'Est. Donc une fois qu'on a commencé à trouver des sponsors, des partenaires, finalement, d'autres collègues se sont manifestés, notamment l'Institut français du Burundi. Je retiendrai aussi les échanges avec toutes ces écoles. Des jeunes de 14 à 18 ans, très souvent, beaucoup de filles, extrêmement disciplinées, beaucoup de silence, beaucoup d'écoute, et la nature des débats, je reste encore muet face à ça. C'est-à-dire qu'il y avait tout un tas de sujets que je pensais qu'on ne pouvait pas aborder, et après 3-4 questions, elles faisaient voler en éclats toutes les barrières. On a abordé les questions d'avortement, les questions de violence faite aux femmes, de mutilation, incroyable, avec une soif de faire changer les choses, d'envie de faire avancer vers l'égalité, qui était incroyable. Une maturité dans les questions, une maturité dans le vécu de ces jeunes filles, assez exceptionnelle. Enfin, c'était, ces femmes en résistance leur a vraiment parlé. Je crois, j'ai eu l'impression, a vraiment provoqué quelque chose, en tout cas un minimum des débats, des questionnements avec les professeurs. La façon dont les jeunes hommes, aussi les adolescents, ont réagi était extrêmement positive. Ils ne se sont pas sentis du tout agressés par l'exposition. Et c'est plutôt des gens que j'ai sentis très concernés par cette question d'égalité, par la volonté d'avancer, de faire arrêter les choses qui ne vont pas bien ici dans leur pays, en Tanzanie. Compris que ça faisait partie d'une dynamique complètement internationale et qu'il y avait la nécessité de combattre ça. Enfin, voilà, une semaine d'échanges incroyable avec ces jeunes. La nature de leurs questions était... d'une intelligence, d'une pertinence piquante parfois, leur connaissance de l'actualité internationale. Beaucoup nous ont questionné par exemple sur les lois actuellement en Espagne qui vont mettre fin à l'avortement, en se demandant pourquoi ça se passait comme ça chez nous. Enfin voilà, il y avait vraiment une semaine formidable d'échanges avec tous ces jeunes et une magnifique expérience que cette exposition Femmes en résistance ici à la RSLA. Presentations, bring something which is very unique. The women movement globally has not managed to tap the resources of the young people. We have stayed there. I am 55 now, and I have not brought out anybody who is 30 or 20 or 10, such that when I leave, then somebody. So we need this kind of effort.
where it taps on the young people. It shows what the old people have done, like Mama Kama, like Fatuma Ali and Helen. But it also brings the young people to say, I was very gratified to hear one of the ladies said, when you leave, I'm going to take off. So it has brought out the young people to not only to be interested in gender equality issues, but to take up your discipline, your approach to life. I think it's remarkable. It's Et je m'aperçois qu'en fait, les valeurs portées par Femmes en Résistance sont vraiment universelles et ça parle à tout le monde. Toutes les personnes venant, mais de toutes origines, les Indiens, beaucoup de pays africains évidemment, des représentants de diplomatie étrangère arrivant et disant « mais il faut absolument que ça vienne chez nous, qu'on le voit ». Pour moi, c'était un grand moment à vivre.